Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 14 mai 2021, 11h43, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Imaginez-vous que la faim dans le monde atteint son plus haut niveau depuis des années, alors que naturellement, la pandémie est venue nuire à nos revenus tous, hein, autant que nous sommes. Le monde a été confronté à son pire problème de faim depuis au moins 5 ans en 2020, en raison de la crise de la pandémie. Et les perspectives restent encore sombres pour cette année, nous raconte Bloomberg. Quelque 155 millions de personnes dans 55 pays, plus que la population de la Russie, ont souffert de problèmes allant d'une crise alimentaire à la famine, selon un rapport contenant des données provenant de plus d'une douzaine d'agences. Cela représente 20 millions de plus qu'en 2019, les chocs économiques dépassant les conditions météorologiques extrêmes comme cause numéro 2. L'aggravation de la situation montre comment la pandémie a exacerbé les inégalités alimentaires dans le monde. Et en plus des conditions météorologiques extrêmes et des conflits politiques qui étouffent l'accès aux produits de base essentiels, les consommateurs sont désormais également confrontés à la hausse des prix. Faites attention. Moi, je vous le dis, je suis dans le domaine de la restauration. J'ai parlé avec plusieurs restaurateurs, là, qu'il y en a qui sont encore ouverts. Ils font la livraison ou le pick-up, hein. On va au comptoir pour chercher la nourriture. Les coûts alimentaires ont augmenté d'au moins 25 %. Les prix aussi pour les consommateurs de restaurants. Vous le voyez quand vous allez à l'épicerie aussi, les prix ont augmenté d'une façon assez brutale. Et tu dois faire attention à ce que tu achètes. Et ce n'est pas fini, ça va continuer à augmenter. On est juste à la pointe de l'iceberg. Non seulement au niveau alimentaire, au niveau vestimentaire, tout va augmenter de façon brutale. Les salaires, eux autres, ne vont pas suivre, ça c'est certain. Donc, tu auras une aggravation de la situation de la classe dite moyenne et celle qui est en dessous de leurs conditions de vie. Le prix des loyers a augmenté, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici à Montréal, au Québec, entre autres, et dans presque toutes les villes majeures, les prix ont augmenté d'une façon vertigineuse. Il n'y a pas de toute façon de logement disponible ou presque. C'est une bataille. Moi, j'ai des amis qui ont des propriétés à louer. Et je peux te dire une chose, quand ils mettent un... J'en ai un, entre autres, un de mes amis qui avait un appartement à louer à Laval, un 4,5, il a mis l'annonce, il y avait des centaines et des centaines de demandes de visite. Il a loué ça rapidement, avec un prix quand même assez intéressant pour lui. Et c'est partout dans le monde. Le prix des maisons maintenant a augmenté d'une façon aussi spectaculaire. Je ne sais pas qui va être capable de se permettre. Avant, tu avais quand même une logique dans ça. Des premières familles, des premiers acheteurs étaient capables de s'acheter une propriété. Mais là, une propriété dont le prix moyen était 225, 250 est rendu à 400, 375, 400 000, si ce n'est pas plus, dans des petites villes, des basses florentines d'ici. Donc, on va se retrouver avec un problème majeur dans les années à venir. On ne va pas voir ça maintenant, tous les impacts de la pandémie, mais tu vas le voir dans les années à venir. Ça ne sera vraiment pas une sinécure. Donc, le pire est à venir au niveau économique, au niveau répercussions sur la population en général. Et si tu regardes le prix de l'essence, ça va continuer à augmenter. Déjà, c'est en fulgurante augmentation aux États-Unis. On s'enligne vers une autre énergie. Le pétrole est sur le point de disparaître, mais... Tant que ça va être capable, les gouvernements vont être capables de pomper des taxes à partir du prix de l'essence. Vous pouvez être sûr que ça va être très, très cher, vous déplacer. On se dirige vers beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Je ne sais pas comment ça va se terminer, chers amis, mais je peux vous dire une chose. Wow! Préparez-vous au pire. Mettez de l'argent de côté si vous êtes capable, même si ce n'est pas beaucoup. Changez vos habitudes parce que vous allez voir votre portefeuille va en prendre pour son rhume.